Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires hors du commun. Il faut que ce soit opéré dans les 2 heures maximum, sinon vous risquez la paralysie générale à vie. Donc là, je flippe. Aujourd'hui, si je reprends un verre d'alcool, c'est le cimetière direct. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie inspirants, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Cette vie facile s'est transformée en vie d'alcoolique. Ce qui m'a fait mal, c'est de voir qu'en fait, les gens vous tournent le dos. Ils se retrouvent seuls, quoi. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Stéphane arrivera dans quelques instants, il est photographe et réalisateur. Sa vie a été plus que chaotique, faite de nuits sans sommeil et d'épreuves inattendues. Pourtant, sur son visage se lit une sérénité troublante. Stéphane est un rescapé, un funambule qui a tout fait pour tomber de son fil. Pour lui, c'était l'alcool et les médicaments. Un long voyage dangereux qui l'amènera jusqu'à la paralysie de ses membres inférieurs. Mais cette épreuve va le sauver. Depuis 10 ans, sa vie a totalement changé, une sorte de miracle a eu lieu. C'est debout que Stéphane entre ici pour répondre à mon invitation. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, je suis content de vous rencontrer. Moi aussi. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Pourquoi ? Parce que j'aime bien l'idée de transmettre. Le fait que vous me contactiez pour continuer à transmettre mon histoire à d'autres personnes, ça m'a beaucoup touché. Voilà, donc je suis très content d'être là. Et vous ne me demandez pas pourquoi je suis content ? Non, c'est vrai. Pourquoi vous... Parce que moi, je vois comme quelqu'un d'inspirant. Est-ce que c'est un mot qui vous convient ? Ouais, peut-être, mais moi, je ne me rends pas très bien compte encore, parce que c'est tout nouveau pour moi. Le fait que mon histoire puisse surtout aider des gens et inspirer des gens, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que c'est le sens de ce que vous avez à nous dire ? C'est surtout de dire que dans des situations qu'on peut toucher des fonds, il y a des solutions, que ce n'est pas perdu. Moi, je vois en face de moi un homme debout, ouais. Dans les deux sens du terme. C'est important pour vous d'être debout face à moi, parce que ce n'était pas gagné. Non, c'est une victoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé le livre. Pas tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça ? Voilà. Je veux faire boire un truc ? Ouais, merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Café, thé, jus d'orange ? Ouais, un petit jus d'orange, ça sera parfait. Jus d'orange. Ouais, merci. Alors, votre livre s'appelle « Respire ». Comment le yoga m'a sauvé et peut nous aider ? Et alors, si on veut dire, c'est l'histoire d'un gars playboy fêtard à New York, c'est presque un cliché, qui en fait est en train de s'autodétruire. Ouais. Donc on verra pourquoi il s'autodétruit dans la fête et l'alcool, parce qu'il y a forcément des raisons. Ouais. Et on va voir comment ce gars, au moment où il s'en sort, va vivre un truc fou, qui a un nom joli, mais qui est une tragédie, qui s'appelle... Syndrome de la queue de cheval. Qui est en fait... En fait, c'est une hernie discale paralysante, en fait, qui coupe le corps en deux, d'un coup. C'est sur des années et des années, et c'est un cas d'hernie discale sur 20 000, je crois, à peu près. Et donc, paralysie, et là, la médecine dit, on ne sait pas si vous remarcherez un jour. Opération, puis une deuxième opération, et les médecins me disent, on ne sait pas, c'est trop tôt. Au moment où vous étiez en train de vous en sortir, c'est comme une sorte d'injustice terrible. Ouais. Et alors, le yoga va vous sauver, on verra comment. Évidemment, ce n'est pas immédiat ni magique, on rentrera dans le détail. Mais ce qui est fou, c'est que vous aviez une image du yoga qui est un peu celle que tout le monde a, en fait, au départ. Le yoga, pour vous, c'était quoi ? C'était un peu ce qu'on a tous, ces clichés, ces bobos, c'est une secte, comment je peux faire du yoga dans l'état où j'étais ? Il faut se mettre le petit doigt du pied derrière l'oreille, c'est pas jouable, enfin ça m'a énervé. Ouais. Donc en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est par mes résistances et mes peurs, parce qu'en fait aussi il y a des peurs qui sont très profondes. Donc c'était amusant pour moi de le raconter via moi, Stéphane, plein d'ego, plein de peurs, plein de machins, et dire voilà ce qui m'a énervé dans le yoga, et comment finalement au bout de plusieurs années, parce que c'est long, ça a basculé de l'autre côté, j'ai vu ce que ça pouvait apporter, en fait. Voilà. Magnifique.
le livre. Merci. Moi, j'ai envie de connaître votre histoire. Vous avez accepté de la raconter. Et c'est vrai que je vous ai demandé, pour préparer cet entretien, de m'envoyer des photos. Mm-hmm. Et donc, je me suis permis de les exposer. D'accord. Vous allez les voir, mm-hmm. vous installer dans le patio et puis je vous rejoins. D'accord. Ça vous va ? Ça me va. Bah, vous amenez votre verre. Hein. Ouais, ouais, merci. C'est super émouvant, je trouve. J'avais, avec les tours Eiffel dans la main, je trouve ça génial, j'adore. Pourquoi elle est émouvante, celle-là ? Elle est émouvante parce qu'il y a un regard vers le haut, il y a un regard d'enfant émerveillé. Et ça, je trouve ça. Et c'est vraiment, je pense, qu'il faut qu'on garde ou qu'on retrouve. Et c'est un peu ce que moi, par rapport à mon parcours, j'ai essayé de retrouver, c'est ce regard d'enfant. Qui n'a pas eu encore, qui n'a pas souffert, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas de trauma, qui n'a rien. Et c'est un peu ça. Si par magie, vous aviez la possibilité de dire quelque chose à cet enfant qui ne sait pas ce qui va suivre, vous qui savez, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais « aie confiance en toi ». C'est bête, ça a l'air très simple, mais je pense que ce qui est arrivé assez vite, c'est le manque de confiance. C'était pas, moi, j'étais très rêveur à cette époque, j'avais plein de rêves. Je me rappelle qu'à l'école, je voulais être chanteur de rock, des trucs comme ça. Et puis, j'ai pris des choses dans la gueule, des murs, et mes rêves se sont un peu écroulés. J'ai contourné ça. Avant qu'on parle de ce que vous avez vécu, qu'on va appeler forme d'autodestruction, vous s'intéressez à l'enfant que vous étiez. Un enfant, racontez-moi le milieu dans lequel il vit, autour de lui, mais un enfant hypersensible. Oui, je pense que c'est. Je suis très rêveur. Je me rappelle de beaucoup de rêves et d'avoir envie de m'échapper dans mes rêves. C'est pour s'inventer une autre réalité. La réalité, je n'aimais pas la réalité dans laquelle j'étais. C'était quoi cette réalité ? Bah, c'était une réalité, je pense, très simple. Hein. C'était l'école, c'était des choses qui m'emmerdaient. Et j'avais envie de voyager déjà. Voilà. Paris, les beaux quartiers, famille bourgeoise, Stéphane reçoit une éducation stricte d'une mère qui travaille dans l'édition et d'un père américain chasseur de tête, arrivé des USA dans les années 60. Stéphane a 3 ans lorsque son frère entre dans cette famille soudée, mais où enfants et parents ne partagent pas le quotidien. Un mal-être familial s'installe peu à peu et va déboucher sur un divorce quelques années plus tard. Stéphane a alors 12 ans. Il y a une rupture affective où j'étais très triste, mon frère aussi. Je dirais que mon père était très bossé, il travaillait beaucoup. Donc il y avait une absence peut-être du père à ce moment-là où j'avais plus envie. Et donc j'étais peut-être plus proche d'une mère qui était assez, qui était très très présente et qui était omniprésente en fait. Voilà. Mais elle était autoritaire, elle était... Oui, il y avait une forme d'autorité. Il y avait une forme d'autorité, de protection et en même temps une certaine envie de me tracer la route, c'est-à-dire m'orienter très vite vers un certain type d'études. Et moi, j'étais très introverti. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'envie de dire non, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et ça va être comme ça. Mmh. Donc j'ai un peu accepté certaines choses et j'ai pas eu... La rébellion, du coup, est venue beaucoup plus tard. Fragile et vulnérable, Stéphane n'ose pas sortir du chemin tout tracé par ses parents. Il commence alors des études de sciences politiques et de droit qui ne le passionnent pas. Il échoue aux examens et décide alors de s'écouter enfin. Et là, il y a un moment où je craque, où je dis ça fait chier tout ça. C'est-à-dire tout explose. Et là, je vais aller effectivement vers la photo qui me passionne. Les réactions des parents ? Je crois qu'il y a une grande déception, ce que je peux comprendre, mais il n'y a pas eu de scène. Mes parents ont divorcé, donc mon père vit avec quelqu'un d'autre, il s'est remarié. Ma mère aussi, j'ai mon beau-père qui arrive dans notre vie.
Donc c'est un peu entre eux, on va voir ce que ça donne, on va voir, on n'est pas sûr, on va voir. C'est peut-être une nouvelle lubie, il se prend pour la photo et je fais une école de photo. Mon beau-père me présente quelqu'un, je vais travailler comme assistant photographe d'un photographe de mode. Donc déjà, je commence à aller vers quelque chose qui me plaît, voilà. Et ça, ça me remplit. Alors, ça vous remplit, et pourtant, ouais, c'est le début de la descente aux enfers. Ouais, ouais. En fait, il y a toujours cette trouille qui m'accompagne, cette estime de moi à l'épacrète, en disant, j'y arriverai pas, etc. Et donc, très tôt, je pars, à 19 ans, je pars de chez moi. Arnel, donc, vous vous affranchissez, ça, ça a l'air positif. C'est pour ça que quand on parle de descente aux enfers, c'est surprenant. C'est surprenant. Mais d'un autre côté, j'arrive dans la vie, j'allais dire professionnelle et à tous les niveaux, vers 19 ans, avec une fragilité d'un gamin de 2 ans. Donc, ça va, là, l'alcool va arriver dans ma vie. Et là, l'alcool prend le dessus. Ça commence, c'est ce qu'on appelle l'alcool mondain. C'est un alcool de sortie, c'est un alcool où on dîne avec les copains, puis après on va dans un bar. Et l'évolution va passer très vite à quelque chose dont mon monde va tourner autour de ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui picolent, d'aller dans un endroit où il y aura de l'alcool, de rencontrer, si je rencontre une fille qui me plaît, qu'elle boive aussi, qui c'est quasiment autant que moi. Ça veut dire que, est-ce que vous avez un exemple d'une fille qui vous plaît, elle ne boit pas et du coup ça devient embarrassant ? Ouais, je me dis, elle est chiante. Elle est chiante, elle ne boit pas, elle ne sait pas se marrer. C'est l'attitude que j'ai à cette époque-là. Mmh. Voilà. Et le problème d'une maladie comme l'alcoolisme, c'est que c'est une maladie progressive. Donc, elle ne fait que progresser. Donc, les consommations deviennent de plus en plus fortes, les réactions de plus en plus violentes, le corps commence à plus sentir, et ressentir. Les réactions, c'est quoi ? Il y a ce qu'on appelle en anglais, en fait, c'est des trous noirs, c'est des blackouts, c'est-à-dire que tout d'un coup, à partir d'une certaine heure, le soir, je ne me rappelle plus de rien. Et donc, ce qui arrive, c'est quelque chose de terrifiant, c'est la honte. Le lendemain, je ne me rappelle plus avec qui j'ai parlé, où j'ai été. Souvent, c'est ma bagnole, je ne sais plus où je l'ai garée. Et il y a une espèce de honte qui arrive. Et le problème de cette maladie, c'est qu'en même temps que la maladie progresse, le déni arrive. Donc les deux, donc j'essaie de contrôler. J'essaie de me dire que ça va aller. J'essaie d'arrêter 2 jours. Donc, mais en fait, on va dans le mur, on va dans le mur. Et je vais dans le mur, je m'en prends, mais plein la gueule. Autour de vous, on se rend compte de ça ? Ouais. Ils vous disent quoi ? Ils me disent, tu penses pas que tu bois trop, t'as un problème avec l'alcool. Ce qui est fou, en France, je trouve que le mot alcoolique est très dur. Donc, ils n'osent pas employer le mot alcoolique. Donc, ils me disent, tu bois trop, tu fais trop la fête, t'es trop ceci, t'es à côté de tes pompes. Et je pense que c'est très intéressant. Un jour, je travaillais pour une agence de presse, comme photojournaliste. Et un jour, le patron de l'agence de presse, qui est ce Turc, qui s'appelait Gökçin Sepagoglu, qui est un type extraordinaire, et il me convoque dans son bureau, avec son accent turc, il me dit, toi, photographe, bon talent, peut-être des fois mauvais photographe, mais il faut que tu arrêtes l'alcool. Tu es tout bouffi. Tout. Et là, même ça, dans la gueule, ce qui est un espèce de patron de presse charismatique, rien, ça n'a rien fait. On n'a pas de visibilité sur sa vie. Parce qu'en fait, la définition de cette maladie, c'est qu'on perd la maîtrise de sa vie. Et on peut perdre la maîtrise de sa vie tellement vite. Qu'est-ce qu'on perd ? On perd tout. C'est-à-dire ? On perd donc les amis, c'est-à-dire ? D'abord, parce que les amis... On perd la confiance des gens. Par exemple, j'oublie des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec un ami, il va m'attendre pendant des plombes et je vais inventer des excuses bidons. Parce que j'étais chez moi bourré. Je me rappelle d'une scène assez terrifiante. C'était un jour où justement j'avais beaucoup bu chez moi seul. Donc c'est quand la maladie devient terrifiante, c'est qu'on se retrouve seul chez soi avec sa maladie, c'est-à-dire avec sa bouteille, avec je ne sais quoi d'autre. Et j'avais bu seul chez moi et le lendemain, j'avais un shoot photo. Mais les bobards que j'ai racontés le lendemain, c'était grotesque. Vous inventiez quoi pour savoir si les autres y croyaient ? C'était le coup, je crois que j'avais raconté que ma voiture avait crevé. Donc j'avais mis les mains sur le pneu pour montrer en disant « Regarde, je suis désolé, je me lave les mains et on fait le shoot photo. » Vous aviez l'impression qu'ils vous croyaient ? Oui et non, c'est-à-dire que la folie aussi, encore une fois, de la maladie, c'est qu'on pense que personne s'en aperçoit. C'est ça qui est dingue. Alors vous essayez de dire on perd du travail ? On perd du boulot. C'est-à-dire ? Moi, c'était voilà, donc c'est un moment où j'avais comment dire une carrière qui commençait en tant que photographe et photojournaliste. Et elle n'est pas devenue ce que j'avais, moi, j'envisageais. Et je me disais, mais pourquoi je ne suis pas ce grand photographe, ce type génial, etc. C'était simple, la réponse, elle était là, mais je ne voulais pas le voir. On parle de descente aux enfers, vous dites on perd tout, donc on perd les amis, le travail, qu'est-ce qu'on perd encore ? C'est ça que je veux savoir. J'allais dire, on perd le sens des réalités. C'est-à-dire qu'on ne paye plus ses factures. On vit caché, en fait.
replié sur soi-même. Et la vie amoureuse ? Dans la vie amoureuse, c'est le manque, toujours pareil, de s'investir. On ne peut pas, parce qu'on est totalement insensibilisé, donc on ne ressent pas. Et c'est un peu le but de l'opération inconsciemment, c'est pas ressentir les émotions, justement. Et dans les périodes les plus noires, vous avez pensé justement à en finir ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment, enfin je sais pas que je pense, je suis convaincu, il y a une forme de suicide involontaire et dans cette destruction par l'alcool. Parce que c'est, je vais même dire un truc par rapport à la consommation que j'ai eue, c'est un miracle, je suis vivant aujourd'hui. Surtout que la beauté de la chose, c'est que vers, je crois, vers 23-24 ans, j'ai été voir un médecin. Et, parce que l'alcool, à un moment, a un effet inverse. Et j'avais des crises d'angoisse effrayantes. Et donc, il me prescrit des médicaments, donc des anxiolytiques et des antidépresseurs. Donc, le cocktail, c'est juste implosif. Et c'est ce qui s'est passé, ça a implosé. Stéphane sombre dans l'alcool et les médicaments à outrance. C'est avec le réel qu'il perd pied. Le danger guette, il s'approche du point de rupture. Pourquoi vous avez arrêté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a eu un jour, j'étais chez moi et j'étais seul donc avec mon alcool et je me suis vu devenir fou. J'ai l'impression que l'hémisphère droit est en train de partir et que je ne vais jamais le récupérer et que je vais finir dans un HP ou je ne sais pas où. Et là, j'ai eu très, très peur. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais déjà une conscience que je voulais m'en sortir. Je voyais quelqu'un qu'on appelle un coach de vie et qui m'avait dit « t'as tout essayé, j'avais essayé des thérapies, j'avais été dans un centre pour justement me détoxer de tout ça, ça n'avait pas marché. » Donc il me dit « pourquoi tu ne vas pas faire un jeûne redandé en Bretagne ? Au moins là-bas, il n'y a pas d'alcool autour de toi, tu n'as pas d'influence quelle qu'elle soit, de potes qui disent « tiens, on va aller prendre un coup, tu peux aller croiser le chemin, aller au bar, en bas de chez moi. » Donc il me dit « tente le coup ». Donc je pars faire ce jeûne randonnée pendant une semaine. Donc, avec quel état d'esprit ? Vous vous dites quoi à ce moment-là ? J'ai plus rien à perdre, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que j'atteins un tel fond, j'ai tellement eu peur de perdre ma raison que je me dis « ok, on va y aller ». Et donc je pars faire ce jeûne randonnée. Au bout de 2-3 jours, j'avais juste envie de bouffer l'herbe des vaches parce que franchement, on a faim. En même temps, on marche. Donc, mais il y a une espèce de... Je retrouve mes sens. Je retrouve tous les sens de l'esprit, du corps, le toucher. C'est assez incroyable. Et en revenant du jeûne, une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps m'appelle. On dîne ensemble. Elle me voit à l'eau. Parce qu'en rentrant d'un jeûne, on a une remontée alimentaire. Donc, ils m'ont fait peur avec l'alcool en disant « si tu bois une goutte d'alcool, c'est l'hôpital direct, c'est un œdème, etc. » Donc, cette amie vient, elle me voit à l'eau. Elle me dit « alors ça, c'est une première, je ne t'ai pas vu à l'eau, je ne sais plus quand je t'ai vu boire de l'eau. » Elle m'a dit « je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Et en rencontrant la personne qu'elle me présente, qui s'appelle Chantal, elle me dit « viens avec moi, moi-même j'ai eu un problème avec l'alcool et la drogue, je vais t'amener à des groupes de thérapie. » Et là, je rencontre, j'allais dire, quasiment une fraternité, des gens qui m'acceptent comme je suis. Et surtout, je vais vous dire une chose, ce sont des gens qui ont traversé ce que j'ai traversé. Et pour la première fois dans ma vie, je me dis, putain, il y a des solutions. Il y a des gens qui ont arrêté depuis 6 mois, depuis 1 an. Et donc, ça marche. Miracle, alléluia, ça marche. Et il y a une philosophie, c'est la philosophie de 24 heures à la fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu bois pas. Demain, on verra. C'est pas, allez, j'arrête pour toujours. Non, parce que ça marche pas comme ça. Et je trouve ça, l'idée, je trouve ça génial. C'est-à-dire, demain, je vais boire, je vais aller braquer une banque, je vais faire tout ce que je veux. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant 24 heures, je vais rester dans ma journée. Faut pas, c'est-à-dire que j'évite de vivre comme je faisais avant, soit dans le passé, soit dans le futur. Il y a une phrase d'Orsena qui est belle, qui dit souvent « je me demande ce que me réserve mon passé ». C'est vraiment ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir à la surface. Et tout le travail qu'on va faire dans les thérapies de groupe, c'est justement travailler sur ce passé. Et donc, je vais à ces groupes des thérapies de groupe pour dire, voilà, il est 16 heures et j'ai furieusement envie de picoler. Et d'en parler, de l'exorciser, fait passer l'obsession. C'est un dénouement. Là, je me dis, c'est génial. Je vais retrouver mon physique. Je vais retrouver mon mental, parce qu'on me le promet. Physique, pardon, hein, Playboy, j'ai vu. Ouais, Playboy, ouais. Parce qu'en fait, il y a ce visage, effectivement, on me dit, t'es beau gosse, etc. Donc, tout de suite, c'est on aime bien mettre des étiquettes. Donc, on m'a scotché cette étiquette-là. Beau gosse, ça veut dire pas de problème, lisse. Voilà, lisse, lui, tout va bien. Il n'y a pas de problème de séduction, donc pas de problème du tout. Voilà, exactement. Il y a ce côté-là qui est très, très énervant. Et je pense qu'il l'est aussi pour des femmes qui peuvent être très belles et qui, justement, se disent, ont besoin de se masquer en disant « j'en ai marre d'être pris pour ce que je ne suis pas ». Et c'était un peu ça.
Désormais, Stéphane doit se reconstruire, enfin débarrassé de ses addictions et décidé à rester propre, comme il dit. Il est plein d'un nouvel espoir en cette vie qui s'offre à lui. Pourtant, le destin en a décidé autrement et il va payer cher son parcours chaotique. Depuis des années, il souffre d'une hernie discale que les excès ont aggravée. Et donc à 40 ans, voilà, donc j'arrête. Trois mois plus tard, j'habite dans le 15e, dans une petite maison. J'ai Danique, justement Chantal, qui m'aide. En fait, elle me marraine, elle me parraine. Donc elle m'accompagne parce qu'elle sait à quel point c'est fragile. Donc elle vient me chercher, etc. Et là, ce soir-là, on est ensemble et je suis chez moi et je me pisse dessus. Et elle me dit, là, il y a un truc qui va pas. Et moi, non, tout va bien. Elle me dit, écoute. Hôpital. Et puis après, on va dîner. Sur le chemin, quand même, j'appelle ma tante en disant, écoute, j'ai une intuition. Je me dis, il y a quelque chose qui est pas... Et je lui laisse ma chienne, Electra. On va à l'hôpital et là, ça va très vite. On dit, voilà, ce que vous avez, c'est un syndrome de la queue de cheval. Je crois que le mec se fout de ma gueule. Je suis allongé. L'expression est presque légère. En disant, mais quoi, voilà. Et en fait, il commence à passer une espèce de tige métallique qui m'allonge sur les pieds. Et là, je sens rien. Vous êtes paralysé? Pas encore. C'est-à-dire que ça vient. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une colonne verte. La colonne est comme ça. C'est le disque du bas, je la fais simple, qui compresse, qui rentre et qui compresse toute la moelle épinière et qui, du coup, coupe tous les nerfs et les muscles au-dessus du bassin. Et ça, je ne sais pas encore. Donc, il me dit, voilà, il faut que ce soit opéré dans les 2 heures maximum. Sinon, vous risquez la paralysie générale à vie. Donc là, je flippe. Et très vite, on m'emmène à l'hôpital Mondor à Créteil. Et j'arrive, c'est le brancard, c'est le truc de la série Urgence avec les trucs qui passent au-dessus de la tronche, les néons. Et on m'opère. Et je sors de là, et je suis allongé dans la chambre d'hôpital. Et je suis encore sous le choc, je ne comprends pas très bien, parce que c'est arrivé très très vite, on va très très vite. Et là, par contre, j'essaie de bouger une jambe, puis l'autre. La droite ne bouge plus, et la gauche, je sens que vaguement, il y a quelque chose. Et là, c'est un espèce de cri muet. C'est tellement horrible qu'on n'arrive pas à exprimer par le son. C'est un espèce de cri déchirant qu'on n'entend pas. Là, je me dis, ça y est, c'est mort. Je suis un ver de terre, je vais ramper toute ma vie. C'est quoi ce monde pourri? On m'avait fait des promesses que si j'étais abstinent, je retrouverais ma vie, ça va être pire que tout. Et ce qui me fascine à ce moment-là, et en parler, c'est que très vite, une autre réaction va arriver. Et celle-ci, c'est une voix intérieure qu'on a tous. Mais je peux l'écouter parce que j'ai justement ces quelques mois d'abstinence. Et j'ai appris à l'écouter. Et je me récite une prière, qui est une prière qu'on dit souvent en début de thérapie ou en fin, qui est « Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Et je reprends courage. Et je me dis... C'est l'idée de l'acceptation ? Ouais. En disant « Ok, applique ce qu'on t'a déjà appris dans ce qui va se passer maintenant. Reste dans tes 24 heures. » La fatalité frappe à nouveau. L'état de Stéphane se dégrade. La membrane qui protège sa moelle épinière est atteinte. Il risque une méningite et le coma. Stéphane est emmené d'urgence en salle d'opération. À son réveil, il est toujours paralysé. C'est vraiment bizarre. À ce moment-là, je suis sûr que je vais remarcher. J'en ai l'intime conviction. Je ne peux pas dire comment. Pour vous, c'est important de dire pourquoi? Parce que cette croyance-là peut aider, c'est ouais, ça que vous pensez? Elle est essentielle. Elle est essentielle. Et quand vous sortez de l'hôpital, vous allez habiter où? Je vais donc chez ma mère. Qui... Là, vous avez 40 ans. J'ai 40 ans et c'est ce que je raconte. J'ai un gars, quasiment, je me retrouve dans ma chambre d'ado. Avec les posters, en fait c'est la chambre de mon demi-frère Alexis, je me retrouve avec les posters de Nirvana, de machin, avec des couches, une sonde urinaire. Et là je trouve ça hyper violent. Mais humiliant? Ouais, très humiliant. Très humiliant parce que y avait cet espoir de reconstruction de vie, et je me retrouve comme un gros bébé, allongé sur un lit, à regarder les heures passées. Sans savoir ce qui va se passer. Sans savoir ce qui va se passer. Et là la douleur arrive, et là je me dis, alors là c'est l'enfer. Donc douleur chronique. Ouais, c'est douleur chronique. Quelque chose qu'on n'oublie pas. Non, on n'oublie pas ces douleurs. On arrive à penser à autre chose. Non. Et ce qui est terrifiant, c'est que je me suis retrouvé donc enfermé par une maladie qui était l'alcool, et là je me trouve enfermé par une autre maladie qui est la douleur chronique. Et là je me dis, là par contre, c'est mal barré. Et ça va durer très longtemps. Ça va très longtemps. Ça va durer 4 ans. Avec la douleur? Ouais.
Stéphane quitte l'appartement familial pour un centre de rééducation à Granville. Dans un documentaire qu'il a réalisé en 2015, on le voit se battre au quotidien pour remarcher un jour. À ses yeux, cette salle de rééducation est une véritable chambre de torture. Mais il ne lâche rien et petit à petit, retrouve ses fonctions motrices. On vous propose un fauteuil roulant ? Non. Non, parce que moi, j'en veux pas. Ah, on vous propose et vous refusez ? Non, mais c'est pas venu, j'en veux pas, j'en ai pas demandé un. Parce que vraiment, le périmètre de marche est tellement petit. Je sors du lit, je me tiens aux parois du couloir, le kinémètre. C'est vraiment le territoire de ma chambre, c'est le territoire à conquérir. C'est vraiment ça. Ça, c'est votre périmètre. Et, ouais. Et vous regardez le reste du monde qui vit ? C'est que plus tard que le pourquoi moi va arriver. En fait, le pourquoi moi arrive à partir du moment où je reprends contact avec la vie, avec la réalité de la vie. C'est-à-dire que je vois les gens marcher dans la rue. Et honnêtement, je suis jaloux. Je les envie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous évoquez cette période-là ? En fait, ce qui vient vraiment, je me dis... D'abord, je me dis quand même j'ai eu du courage. Il faut que je me le dise, parce que j'ai toujours une tendance à aller dans le sens inverse. Vous dénigrez ? Ouais. Et franchement, il fallait tenir, puis il fallait tenir avec l'alcool aussi, parce que la douleur... C'est que dans une période comme ça, où on a la sensation que rien ne va, la tentation de l'alcool existe ? Énorme. C'est énorme, parce que j'avais juste envie de boire, pas pour me saouler la gueule, mais pour soulager la douleur. En me disant, si je me prends même un verre de vodka, ce serait parfait, avec trois comprimés de morphine, plus un de je ne sais quoi, je vais être bien. Ça va me... Je vais planer un petit peu, je vais oublier cette douleur. Mais si je reprends un verre d'alcool, c'est le cimetière direct. Voilà, donc je le sais. Et c'est là où ça a été formidable. Donc cette amie Chantal fait venir chez ma mère les amis des thérapies de groupe qui viennent à mon chevet me soutenir. Et sans cette solidarité, c'est pas jouable. Et quand on n'a pas d'estime de soi, on accepte l'aide et l'amour des autres ? C'est une bonne question, ça. Non, pas au départ, parce que c'est l'ego qui dit non, moi j'ai pas besoin. Et petit à petit, cet ego s'effrite. Et eux m'apprêtent justement que je peux pas être dans cette position. De toute façon, j'ai pas le luxe de l'avoir. Avant de savoir comment il rentre dans votre vie, vraiment, vous n'y avez pas pensé. Le yoga n'existe pas. Mais le rien yoga. À foutre du yoga. C'est-à-dire que ça me paraît... J'ai essayé une fois à New York, parce que j'ai un copain qui me dit, viens à un cours de yoga, il y a une fille, la prof est super mignonne. Je vais au cours de yoga, je me rappelle, à New York. Je vois un mec, un Américain transpirant à côté de moi, dégoulinant, qui puait. J'essaie de faire 3-4 mouvements, ça me paraît complètement ça me paraît un truc d'acrobate, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, à l'époque, j'aime le tennis, le windsurf, le ski, c'est des sports de glisse, des sports de compète. Donc, comment ça rentre dans votre vie et comment vous réagissez les premières fois ? En fait, c'est après donc la rééducation classique, j'allais dire. Donc là, je recommence un peu à marcher. Et un jour, ma cousine américaine, Diana, me dit, écoute, j'ai une amie qui s'appelle Thérèse, qui est de passage à Paris, elle est prof de yoga. T'as tout essayé, la rééducation, les médocs, les machins. Rencontre-la. Elle vient vraiment en bas, je suis encore chez ma mère, en bas de chez ma mère, dans un petit café, on s'installe. Je suis perclus de douleur, tout me fait chier. Et elle s'assied à côté de moi. Elle m'explique un peu de manière simple ce que c'est que le yoga. Elle me dit une chose, c'est la thérapie aussi bien du corps que de l'esprit. Je me dis, ouais, c'est charmant. Et elle me dit, écoute, j'ai aidé des gens dans ton cas. Et ils s'en sortent. Je donne des cours en ce moment en Allemagne, dans un centre. Si tu as une chance de t'en sortir, elle est par là. Viens. Et je sais plus, mais encore une fois, c'est ce saut vers l'inconnu. J'y vais. J'ai dit, OK. Et là, il se passe quoi ? Donc, j'arrive en Allemagne et j'ai l'impression d'être un grand clown, maladroit, parce qu'on arrive dans une grande salle qui est blanche. Et il y a déjà des gens qui pratiquent. Et je les regarde, moi à l'époque, je suis debout, faire ça, c'est de la douleur. Donc, faire du yoga, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Et elle me dit, écoute, je te demande pas de suivre leur mouvement, parce que physiquement, tu peux pas. Reste allongé. Écoute ta respiration. Elle me dit, essaye de... Comme si tu faisais la buée sur une vitre. Et après, ferme la bouche, pour que la respiration descende. Et justement, ouvre ce diaphragme. Ouais, en fait, vous prenez votre main, c'est comme si... Et puis après, faites la même chose, mais en fermant la bouche. Et faites passer l'air par la gorge. Comment on fait pour sortir l'air en fermant la bouche ? Vous inspirez. Faites passer par là. Et en fait, l'exercice, j'ai mis un temps fou. D'accord.
à le faire passer. Et elle me dit, maintenant, tu vas visualiser que cet air descend dans les parties de ton corps qui marchent plus. Donc, de reprendre connexion et possession des différentes parties de mon corps, que je sens plus. Corps qui va mal et que vous allez maltraiter. Voilà, exactement. Et très vite, je comprends que cette pratique peut me permettre... L'effet était quasi immédiat. Je me sens quasiment dans mon élément, assez vite. À la suite du cours, elle vient vers moi et elle me dit, je te donne 2 à 3 ans et tu vas guérir. Simplement. C'est une promesse forte quand même. Ouais. Hein, ouais, ouais. C'est une promesse de charlatan, presque. Ouais, mais j'ai un... C'est pas miraculeux, c'est important de le dire. Non, c'est pas miraculeux. Et je pense que c'est très, très, très important de le dire, c'est qu'il faut un investissement. Quand elle me dit 2 à 3 ans... Oui, c'est pas 3 séances. Non. Et c'est ce qu'elle me fait comprendre, et surtout qu'à un moment, moi, je pensais arriver là-bas, qu'elle mette la main sur mon front, et qu'elle me dit, Stéphane, lève-toi et marche, tout va bien. Et là, j'apprends la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que si la guérison est possible, elle va venir de moi. Donc ça me fait chier, parce que je me dis, putain, je vais en baver, ça va être long. Et puis c'est l'air ésotérique. Ouais, la réponse est en toi, on peut réfléchir des heures là-dessus. Voilà, ouais, ouais. Mais je ne peux pas le faire seul. Et on a besoin, j'allais dire presque, on a besoin d'un guide, de quelqu'un. Mais comme à l'école... C'est ce que vous découvrez dans votre histoire, qu'on a besoin des autres. Voilà. Mais j'ai besoin, et je fais aussi ce qui est important à ce moment-là, c'est que je lui fais une confiance aveugle. J'ai dit, ok, tout ce que tu me demandes, je vais le faire. Ouais, alors vous voyez, moi j'ai l'esprit critique. Ouais. Et donc j'ai fait des stages de yoga. Mmh. Et je suis parti au milieu. Ouais. Je suis tombé sur des gourous. Ouais. Enfin, je les voyais comme ça. C'est vrai. Des gens qui se prenaient un peu pour des maîtres, je sais pas quoi. C'est le problème. La chance que j'ai eue, et on va y revenir, c'est que je rencontre une femme très moderne. Et à la fin des cours, de temps en temps, on met du rock et elle danse. Enfin, je veux dire, c'est une femme qui est dans le coup. Et souvent, je pense qu'il y en a qui se prennent très au sérieux et qui pensent parce qu'ils ont fait 10 cours de yoga. C'est ce que j'appelle un peu l'ego spirituel. Il y a un côté, voilà, dans le yoga, c'est comme ça. C'est important de le dire. Oui, c'est important. Vous le dites, vous mettez en garde. Ouais. Parce que finalement, quand on parle du yoga, c'est pas tous les profs de yoga, quoi. Non. Mais c'est comme à l'école. Il y en a qui ont vraiment cette forme. Des profs qu'on aime, des profs qu'on n'aime pas. Voilà, il y a cette forme pédagogique. Il y a des profs, de temps en temps, qui sont capables de vous faire des postures, c'est bluffant, mais qui n'ont pas, j'allais dire, la... Générosité française. Voilà, la finesse pédagogique, le savoir d'autres, qui sont peut-être moins impressionnants à voir pratiquer, mais qui ont une espèce de, j'allais dire, de vista de votre être, de votre corps, et qui vont vous accompagner et vous guider. Et quand vous rencontrez ce prof, ne le quittez pas aussi longtemps que possible. Et je vais rencontrer vos amis, ils vont arriver. Mm-hmm. Je vous ai demandé de me présenter des gens qui vous font du bien, ouais. Qui sont dans votre vie depuis longtemps pour mm-hmm. certains. Ouais. On va parler du yoga, on va parler de ce documentaire. Vous avez fait le tour du monde pour ouais. vérifier que cette histoire n'était pas arrivée qu'à vous. Absolument. Et vous avez été dans le couloir de la mort, des condamnés à mort. Mm-hmm. Vous avez vu des gens qui étaient en prison, en cellule d'isolement ouais. pendant 17 ans. 17 ans. Tout seul. Mm-hmm. Et qui disent être libres grâce au yoga. Donc, ouais. c'est très intriguant, je suis impatient d'en parler. D'accord. Mais si on revient à votre histoire, mm-hmm. bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Faut retenir que... J'allais dire que même au fond du trou, même au bout du bout, et croyez-moi, j'ai l'impression, pardon, que c'est pas moi qui dis ça, mais même qu'au fond du trou, la vie nous donne des solutions, nous apporte des solutions, mais qu'il faut qu'on aille vers elle. Un jour, ma prof de yoga m'a dit, mais sois présent, regarde la personne qui est en face de toi, tout ce qui est autour ne compte pas. Et j'ai appris à connecter avec les gens, avec la nature, avec les animaux. Donc être en connexion avec ce qui nous entoure. Voilà, avec ce qui nous entoure. Le yoga m'a permis de me réapproprier mon corps, mon esprit, ma vie. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. Merci. On va les accueillir. Ouais, on va les accueillir. Bon, ça donne envie d'en faire, hein, du yoga. Alors, mettez vos bras comme ça. Suivez-moi, comme ça. Juste, mais attrapez vos coudes. Attrapez vos coudes. Voilà, les pieds droits de la distance de vos hanches. Voilà, inspirez. Et descendez tout doucement, en expirant. Expirez. Si mes invités comme Stéphane ont ce genre de force qui permet de passer tous les obstacles, c'est probablement parce qu'ils ont fait des rencontres grâce auxquelles ils se sont construits ou reconstruits. Bonjour. Bonjour. On était en plein cours de yoga. Enchanté, Frédéric. Victoria. Je voulais donc faire connaissance avec les proches de Stéphane, sa famille, ses amis, pour comprendre comment il a surmonté les épreuves de la vie. Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Stéphane, Victoria, Juliette, André. Servez-vous. Jus de pomme, jus d'orange, je vous conseille l'infusion au gingembre. Alors Stéphane m'a raconté son histoire, son parcours.
avant de parler de ce livre, hein, puisqu'il nous dit « Respire », il dit « Comment le yoga m'a sauvé et peut tous nous aider ?» C'est quand même une promesse incroyable, c'est presque une promesse de Charles Latondre. Il fallait qu'il ait une légitimité pour pouvoir dire ça. Et donc Stéphane a fait le choix de raconter avec authenticité sa propre histoire. Et c'est une histoire très forte. Et donc je lui ai demandé de me présenter des gens importants, des gens qui ont pu le sauver, des gens qui lui font du bien. Parce qu'on a parlé de la destruction, moi, ça m'importe qu'on parle de la reconstruction. Alors est-ce que vous pouvez me dire qui est qui ? Déjà, on va faire dans l'ordre chronologique, il y a Juliette, qui est mon amie d'enfance. On a été élevés ensemble. Nos parents étaient très proches. Et j'ai été élevé avec son frère aîné, Jean-Charles, et mon frère Frédéric. On passait les vacances ensemble, les week-ends ensemble, etc. etc. Donc, enfant, adolescent, tout ça, vous connaissez. Ouais, et justement, et Juliette a été une des personnes qui a toujours, et ça c'est important, qu'on a des amis, de croire, et a toujours cru en moi. Oui, parce que vous m'avez dit, j'ai tout perdu avec l'alcool, j'ai perdu les amis. Ouais. Et là, je vois une amie de longue date. Ouais, et je pense qu'effectivement, à une époque, Juliette était sentait un peu impuissante par rapport à cette, justement, à cette espèce de fond que j'étais en train de toucher. Et on verra comment elle vous a sauvé la vie, parce qu'on peut presque le voir comme ça. Elle assistait à des moments très importants. C'était à des moments très importants et des moments qui étaient clés, puis des moments aussi où on a besoin de se faire botter le cul un peu, ce dont j'avais besoin par moment. C'est à ça que je pense Juliette quand je dis et Victor sont comme ça, et c'est important. Ouais. Et puis des moments où on a besoin d'appeler à 4h du matin en disant « ça va pas, ça va pas ». Et je pense que c'est ça l'amitié, il y a une écoute dans les deux sens. D'accord. Donc ensuite Victoria, on se connaît depuis 20 ans. Et pendant plusieurs années, il y a eu un laps de temps, on s'est plus vu. Et un jour, elle m'a rappelé, et c'était un moment où moi justement j'avais d'une certaine manière commencé ma reconstruction, mais je ne savais pas encore où, dans quelle direction me tourner, et Victoria m'a aiguillé justement. Et André ? Et André, ça a été à peu près un an après avoir commencé le yoga où j'étais en Allemagne, ma professeure de yoga m'a conseillé d'aller dans un centre à Paris. Et il y avait un cours, j'allais dire, de yoga, sorte de rééducation par le yoga, donc dirigé par Corinne Biria. Et elle m'a mis dans les mains d'André. Et je peux vous dire, c'est pas du gâteau. Il y a une puissance chez André, je peux vous dire, il peut vous soulever avec le petit doigt. Et André, c'est important qu'il soit là aujourd'hui, parce que je veux le remercier, parce qu'il a été très patient. J'étais pas facile au départ et a su, j'allais dire, lire mon corps, parce qu'on travaille ensemble, mais aussi mon esprit et me pousser petit à petit, millimètre, parce que ça sera au millimètre près, il faut le savoir. Un geste mal placé, et on peut repartir, les pathologies peuvent se réveiller. Donc ça a été un gros travail qu'on a fait pendant 5 ans. Voilà. Alors Victoria, votre rencontre, quel homme il était à l'époque ? Quand j'ai rencontré Stéphane, comme vous en avez parlé, c'était quelqu'un de joli garçon. Dans un milieu aisé, donc c'était la fête, c'était les soirées, c'était la vie facile. Le cliché du playboy ? C'était vraiment le cliché du playboy. C'était vraiment toujours entouré de jolies filles, toujours la vie facile comme on peut s'imaginer. Et donc, cette vie facile s'est transformée en vie d'alcoolique. Mais de là où vous êtes vous, qu'est-ce qui vous permet de dire ça à l'époque ? Qu'est-ce qui vous permet de voir ça ? En fait, le problème, il est avec l'alcool, le problème, c'est que vous ne le voyez pas au début. Au début, l'alcool, c'est la fête. Donc, c'est toujours très c'est agréable. C'est un joli mot, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Très joli. Ça rentre dans une espèce d'euphorie, de fête. Donc, on ne le voit pas au début. Mais peu à peu, il se retrouvait seul. Peu à peu, il sortait seul. Vous vous rappelez de ça ? Oui, très bien. J'ai une image très, très claire. On rigole souvent parce qu'un jour, on était à une fête où c'était vraiment une jolie fête avec une ambiance, etc. Ouais. Et puis, je vois Stéphane assis tout seul, au fond de la pièce, sur un canapé, avec sa canette de coca, et il versait de la vodka dedans. Et donc, je vais m'asseoir à côté de lui. Parce Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là ? Je me dis, ah merde, quelle misère. Quelle misère. Quelle solitude, quoi. En fait, c'est plus que la solitude, c'est la misère, quoi. C'est vrai. Et donc, il versait son... Et puis, il me disait, tu veux un peu de coca ? c'était... Et c'est là où, vraiment, je me suis dit... Et ce soir-là, on était avec Alexia. Ça vous émeut de parler de ça, Oui, ça m'émeut, parce que ce qui m'a fait mal, c'est de voir qu'en fait, les gens vous tournent le dos. Ils se retrouvent seuls, quoi. C'est vraiment... Ils se retrouvent seuls. Vous n'alliez pas vers les gens ou les gens ne venaient plus vers vous ? C'est les deux. Les deux. C'est les deux, voilà. Et avec Alexia, on était là, on se dit, oh, putain, on ne peut pas le laisser rentrer seul. Donc, il dit, si, ivre-mort, si, je rentre seul. Non, mais tout va bien, parce que pour lui, tout allait bien. Hein. Il restait rien, mais... Vraiment, vous le pensiez ? Ah oui, on est dans un déni absolu. Vous le dites pour quelque chose d'autre ou vous le pensez ? On le pense, on est complètement à l'ouest, on est complètement à côté de ses pompes. Et là, vous faites quoi ? Et là, on le suit pour s'assurer qu'il rentre. Et moi, je me suis dit, faut faire quelque chose, quoi. Sauf qu'il y a plein de gens sur cette terre qui se sont dit, il faut faire quelque chose, mais on ne sait jamais quoi faire. Vous avez quelle idée ? Un jour, comme il n'y a pas vraiment de coïncidence,
Je l'appelle et je lui dis est-ce que tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Il me dit oui. Il me dit justement, je rentre d'un jeûne, il faut que je te parle, ta. C'est au moment où vous, vous avez quand même eu déjà ce déclic, et vous êtes passé dans ce jeûne où vous arrêtez l'alcool pendant une semaine. Ouais. Et c'est, quand vous parlez de coïncidence, effectivement, je comprends. Voilà. Là, c'est vraiment le moment, parce que c'est la première fois que moi, je prends une décision d'aller vers quelque chose d'inconnu et qui est quelque part une grosse décision pour moi de dire je vais arrêter l'alcool pendant une semaine. Ouais. Donc on reconnecte facilement et il me dit, voilà, et je lui dis mais tu bois pas, t'as arrêté de boire? Il me dit oui. Vous remarquez ça en premier? Bah oui, c'est le premier truc chez un alcoolique, vous voyez tout de suite qu'il a un verre d'eau à la place de son verre de vin. Et voilà. Tout à l'heure, il m'a raconté comment il y a un symptôme qui lui fait comprendre que la situation est grave. Ce que vous dites, je suis avec une amie, c'est pas vous, Victoria, et vous dites, bah, je me suis fait pipi dessus. Ouais. Donc là, on comprend que c'est grave, et là, Victoria rentre dans l'histoire. Vous aviez quoi à faire à ce moment-là? Vous l'avez soutenu dans des moments très, très, très difficiles, puisqu'il raconte comment on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'on se retrouve dans une chambre à 40 ans, la chambre, la chambre chez sa mère à 40 ans, avec une couche, je repense ses propres mots. Hein. C'est-à-dire qu'on s'identifie. Oui, on s'identifie. Ouais. Et donc vous, en tant qu'amie, on peut faire quoi à ce moment-là? L'accompagner. Vous ne vous êtes jamais senti impuissant? Si, souvent. On ne lui disait pas à l'époque, mais on allait voir les voyantes, on était là pour voir. Il avait à un moment donné, il avait une jolie petite amie indienne, et très très sympa. On l'avait appelée pour qu'elle aille voir quelqu'un en Inde qui voit dans l'avenir, machin, pour voir si son dos allait se rétablir, si un jour il allait se rétablir. Enfin voilà, on était vraiment. On essayait parce tout que. Quoi. Voilà, nous-mêmes, nous, on se disait. Une dose d'espoir. Oui. Excusez-moi, rajoutez juste une chose. Justement, Victoria et Juliette ont un rapport, et c'est important que je le dise, ont un rapport très généreux à l'autre et à la maladie. Elles ont cette écoute incroyable. Enfin, en même temps, elles m'ont pas fait de cadeau, elles ont eu raison aussi. Ouais. Alors justement, Juliette, pourquoi est-ce que vous pourriez lui dire merci? Bah, Juliette, donc ça remonte plus loin, mais on a souvent partagé nos rêves. Je me rappelle, Juliette a travaillé très tôt, a poursuivi son rêve de travailler dans la musique, c'était vraiment son rêve. Et moi, je crois qu'à l'époque, je me rappelle un jour, je voulais écrire des grands romans, je voulais faire des choses. Donc on partageait tous nos rêves et on continue. On a encore des rêves aujourd'hui, ça c'est important. Moi, j'en ai pas eu pendant presque 10 ans et tout d'un coup, les pendant rêves reviennent. Pendant toute cette période? Ouais. Pendant toute cette période de l'alcoolisme, pas de rêve? Non, c'est la différence qu'il y a entre un rêve et un fantasme. En fait, c'était des fantasmes. C'est qu'on a on a un orgueil démesuré qui s'est en fait, alors on est au fond du caniveau et on se voit le roi du monde. Alors c'est complètement pathétique d'ailleurs, voilà. Mais je me rappelle, Victoria me disait un jour, c'était terrible parce qu'il n'y avait rien dans ton regard. C'était vide. Je me rappelle cette phrase que tu m'as dit un jour, et c'est ça, c'était vide. Et donc Juliette, on va parler de l'homme d'aujourd'hui, de ce qu'il a à transmettre. Et donc de celui d'avant, vous avez quel souvenir? Non, celui d'avant... Je pense que Stéphane a toujours gardé cette hypersensibilité qu'il avait, enfant. Et cette espèce d'esprit, il est toujours fait ou pas fait. Il a toujours réfléchi, était assez profond. Il a toujours eu des rêves. Et ce qui fait la différence entre l'homme qu'il était avant et l'homme qu'il est, c'est que maintenant il se donne une chance de toucher du doigt. En fait, moi j'ai toujours entendu dire qu'il voulait écrire. J'ai toujours... Et finalement... Bah, tout ça l'a amené par des chemins un peu sinueux, par des épreuves, à finalement un rêve qu'il avait depuis l'âge de 15 ans. Donc en fait, il y a malgré tout dans son parcours, il y a une vraie cassure, mais il y a quand même un fil conducteur. Je ne sais pas comment vous dire, il y a toujours un même rêve qui a été poursuivi. Et bizarrement, c'est cette cassure qui l'a amené à atteindre ce but-là. Il rêvait d'écrire, et le fait d'avoir vécu ces drames, il a quelque chose à dire. Exactement. André, vous êtes donc un grand professeur de yoga, on dit maître, je crois. Mais moi, j'ai du mal à dire maître à quelqu'un. Vous allez comprendre, parce que... Non, mais j'ai du mal. Non, c'est un professeur, oui. Je dis toujours avec humour, 1m25. 1m25, voilà. D'accord. Alors, Stéphane a raconté son histoire personnelle, avec, encore une fois, des cassures, des moments de destruction. Vous l'avez arrivé avec quel état d'esprit et comment physiquement? Alors d'abord, moi c'est Corinne Biria qui dirigeait le cours de rééducation, qui me l'a présenté et qui m'a dit, bon, je te confie Stéphane, qui m'a dit en privé, c'est un cas un peu difficile. Donc, un paquet cadeau. À tous les niveaux. Ça voulait dire quoi? D'abord parce qu'il était en souffrance. Avec cette douleur aiguë permanente. Voilà, la souffrance physique.
il y avait les peurs, forcément. Ça veut dire que c'était un problème pour vous parce que vous ne pouviez pas le toucher, par exemple? Alors, effectivement, il fallait déjà apprivoiser Stéphane, qui, dès qu'on s'approchait, il y avait tout de suite une espèce de... Donc, il y avait des résistances, et tout à fait. Envie. Ouais. Comme son problème, c'est un déséquilibre à l'origine qui a eu du bassin, c'est-à-dire que le bassin était décalé avec des muscles qui n'étaient pas alignés. Donc, on a travaillé beaucoup l'alignement du bassin, l'étirement des jambes, qui a été quelque chose de difficile et de douloureux. Ouais. Au début, on faisait 30 secondes et puis ça suffisait, ouais. On passait à autre chose parce que c'était le maximum et voilà. Je t'ai détesté. C'est vrai? Ouais. Ouais. Non, parce que vous le dites avec le sourire, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai que par moment, non, mais en plus, il y a très vite, comme c'est quelqu'un qui travaille au plus proche de votre corps, j'allais dire de votre cœur, parce que toutes les émotions sont ici, l'intelligence, elle est ici. Très vite, il fallait que je fasse confiance à André. Mais j'avais de la chance que j'avais déjà pratiqué un peu de yoga. Quelles étaient vos attentes? J'espérais qu'assez vite, par la reconstruction du corps, de la rééquilibrage de mon corps, j'allais arrêter de souffrir. Ce qui n'a pas été le cas tout de suite. Donc je sortais des cours en pleurant. Hein. J'ai sorti des cours en pleurant, en disant plus jamais je fais ce yoga de merde, ça ne sert à rien. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait toujours une petite voix qui me disait retourne-y. Parce que je mettais 2-3 jours à me remettre des tortures d'André quand même. J'avais encore des traces, des cordes qu'on mettait dans les ischions. Dans les... Après, ils vous mettent la tête à l'envers. Enfin bon. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, André? Ça donne du sens à votre vie un peu d'entendre ça, non? Oui, bien sûr, parce que en fait, bon, déjà, il a eu le courage de persister, donc ça veut dire qu'il avait une détermination. Donc c'est ça aussi que, au départ, on a vu. Sinon, il aurait fallu fonctionner autrement. Et c'est pour ça que justement, on est allé relativement loin, c'est-à-dire que on savait exactement que quand on faisait telle posture, ça allait être douloureux, et c'était à nous de juger jusqu'où on devait aller dans la douleur pour que ça puisse être efficace et que ça puisse être positif. Alors ce qui est fou, c'est que ce garçon donc, aurait pu vivre sa vie, voilà, une vie compliquée, on l'a dit, avec beaucoup d'épreuves. Il s'en sort, et là, il y a un besoin incroyable de transmission. Donc un livre très très bien écrit en plus, qui s'appelle « Respire », encore une fois, et je trouve que la promesse est forte, parce qu'il sait de quoi il parle, comment le yoga m'a sauvé peut tous nous aider. Et puis un documentaire. Ouais. Alors on ne peut pas tout raconter, il faut le voir. Non. Ça s'appelle donc... « Yoga, un souffle de liberté ». D'accord. Voilà. Et donc, dans ce documentaire, votre idée, c'est de partir à la rencontre de gens qui ont vécu des choses très difficiles comme vous et de voir ce que le yoga leur a apporté. Ouais. Et alors, quelqu'un qui vous a marqué, c'est cet homme qui est condamné à mort aux États-Unis. Mmh. Qu'est-ce que le yoga peut apporter à quelqu'un qui est condamné à mort? Qu'est-ce qui va vous surprendre à ce moment-là? C'est la question que je lui pose. On est derrière des barreaux. Et je lui pose cette question. Il est sur le couloir de la mort dans une prison aux États-Unis qui s'appelle Saint-Quentin, qui est une des prisons les plus délabrées des États-Unis. Je crois qu'ils sont presque 500 sur le couloir de la mort. Et quand je lui pose la question, il me dit, voilà, la liberté à l'extérieur, je la connaîtrai jamais. Le yoga m'a appris à connaître ma liberté à l'intérieur de moi. Wow. Et là, je crois que j'allais dire vraiment, là, tout est dit, en une phrase simple et concise. Voilà ce que ça peut amener. Mais surtout qu'ils ont la légitimité pour le dire. Quelqu'un qui va passer 17 ans de sa vie en prison, en cellule d'isolement. Ouais. Alors, j'ai rencontré une seule fois quelqu'un qui avait vécu ça. On a du mal à imaginer que c'est quelqu'un qui va prendre sa douche tout seul, qui va faire son sport tout seul, qui va être toujours tout seul. C'est-à-dire que quand on sait que l'être humain a besoin des autres, a besoin d'être touché, etc., c'est terrible. C'est le pire qu'on peut faire à un être humain. Ouais. Et qu'est-ce que cette personne, on peut dire son nom? Oui, c'est Michel Vaujour, parce qu'il y a eu un film et un livre d'ailleurs, un documentaire et un livre sur lui. J'adore le titre parce que c'est « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Je trouve ça magnifique. Il a fait quelques évasions. Voilà, lui, il en a fait deux en hélicoptère. Donc dans les années 80, il y a eu un film d'ailleurs qui était sorti à l'époque, qui sont inspirés de sa femme, c'était Béatrice Dalle. Ça s'appelait « La fille de l'air ». Et lui, donc s'est fait choper les deux fois et on l'a mis en 17 ans en cellule d'isolement. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent le livre « Le jour d'échec » de Zweig, il a trouvé un manuel de yoga, il s'est mis au yoga. Et il a dit « J'ai commencé à faire du yoga pour devenir un samouraï et pour m'évader, et j'en suis sorti par la grande porte comme un moine. » Je trouve ça d'une puissance, et je suis convaincu que c'est l'homme le plus libre que j'ai rencontré. Tout le documentaire, tous les gens que j'ai rencontrés dans ce documentaire m'ont inspiré, ils sont formidables. Bon, moi, c'est le mot que j'ai employé quand je vous ai rencontré. Ouais. Je suis content de vous recevoir parce que je vous trouve inspirant. Merci. Et vous me parlez de gens inspirants. Ah oui, ils sont formidables. Et donc, je voudrais juste que vous me disiez, les uns et les autres, et c'est pas que j'ai envie d'être solennel, mais un petit peu quand même, il a dit ce que vous lui avez apporté. Qu'est-ce que cet homme vous apporte? Il m'apporte de la profondeur et de la sérénité, Stéphane. C'est-à-dire que les rôles se sont inversés. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je pense que je vais apporter plus de profondeur pour le poser, pour calmer les choses, pour trouver les bons mots, et que les choses se sont complètement inversées maintenant. Donc je te remercie, parce que tu sais bien. André, vous êtes le prof, mais à un moment donné, transmettre, c'est aussi recevoir. Donc qu'est-ce que cet homme vous apporte?
Déjà, d'une part, il a concrétisé la confiance dans l'enseignement que je transmets. Moi, je suis fier de son parcours et de voir que, justement, le yoga est une partie de sa guérison parce qu'il a vécu des choses douloureuses. Cette souffrance l'a amené à l'essentiel. Ça se posait les questions fondamentales. Qu'est-ce qu'il fait sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Et donc, moi, j'enseigne. Mais est-ce que j'enseigne véritablement pour le yoga ou est-ce que j'enseigne pour une reconnaissance? Donc ça me fait réfléchir. Donc pour ça aussi, c'est inspirant. Victoria? Moi, c'est sa bienveillance. Voilà, il a une bienveillance intarissable. Il a une gentillesse. Et je dirais que sa principale qualité, c'est qu'il ne juge pas. Et quand vous êtes toujours habitué à dire oh, « je l'aime pas, j'aime bien », et quand vous êtes en face de... Moi, parfois, je discute avec lui, je dis oh, « tu sais pas ce qu'il m'a fait, lui, machin... » Et je vois, ça ne l'intéresse pas. Enfin, c'est pas le sujet qui l'intéresse pas. C'est à partir du moment où je commence à juger, il déconnecte. Ça ne l'intéresse pas de juger les autres. Et pour moi, c'est une qualité mais exceptionnelle de ne pas juger. Et il ne juge pas. Ah ben, j'ai bien fait de vous inviter. Merci. Putain, c'est... Vous savez, c'est sans aucune doute le plus beau des cadeaux de ces dernières années. Voilà, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux. J'ai l'impression, grâce à eux, d'avoir fait tomber les masques et d'être. J'ai pas peur d'être vulnérable, de montrer ma vulnérabilité et recevoir tout cet amour ne me fait plus peur. Alors qu'avant, j'avais peur de donner et de recevoir. Alors que là, il y a un échange. On a peur de quoi quand on reçoit ? Quand on reçoit, on a peur en fait de décevoir. Évidemment, on a peur de décevoir, de pas être à la hauteur de leur amitié ou de leur amour ou du travail que André a fait avec moi. Parce que lui, il m'avait vu, il travaillait sur moi, il m'avait percé à jour assez vite. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais dans mes trucs. Mais voilà, et ça, c'est le cadeau de la vie. Voilà. Bon, je vais vous faire un autre cadeau. D'accord. Parce que vous m'avez présenté des gens qui comptent. Alors, à mon tour, je vais vous présenter des gens qui comptent. D'abord, ils sont en train de nous faire à déjeuner. Et ensuite, ce sont des amis. Véritables, qui me mettent de bonne humeur, qui me donnent le moral, parce qu'ils sont tristes quand ils entendent ce qu'on entend à la radio, les informations, ce qu'on voit, tout ce qui inquiète, tous les fléaux de cette société, les injustices. Simplement, au lieu de rester impuissant et de se dire « oh là là, tout va mal, tout fout le camp, on va tous mourir », ils cherchent des gens qui cherchent des solutions qui marchent. Et souvent, ils trouvent des solutions qui marchent. Vous allez me dire si vous comprenez pourquoi je les adore. Ça vous va? Okay. Je reste un peu entre vous et je vais voir où on en est en cuisine. À tout de suite. Hello. J'adore vous dire dans cette cuisine, j'entends le rire de Brigitte. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors ça, c'est le dessert. C'est toi qui fais à manger? Ouais. Oui. Pêche rôtie avec soupçon de crème fraîche. Pour moi, j'ai l'impression que c'est complètement sur un réel. C'est quand même génial. Mais c'est important que vous savez tout cela, parce que c'est vrai, pour moi, ça m'a... Et tu sais, on se voit pas, on sait pas. On est content d'être là, en fait. Bah ouais. Alors moi, tu veux faire ça? Oui, je veux savoir de quoi on va parler. Eh ben, je vais parler de petits canards et de rizières. D'accord. Est-ce que ça vous donne envie comme ça ou pas assez? Pas assez. Alors voilà, il y a des gros problèmes dans les rizières en Camargue, ouais. Parce que les mauvaises herbes mangent les plants de riz. D'accord. Enfin, les étouffent. Quoi. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est les engrais, hein, les pesticides? C'est les pesticides. Mais malheureusement, il y a un homme qui a trouvé une solution absolument fabuleuse. Stop, on n'en dit pas plus. Je n'en dis pas plus. Vous avez beau insister, je ne dis plus rien. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Mais arrête de me piquer, mais... T'es malvolue, toi.